Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la médiathèque. Donc n'hésitez pas, nous sommes ouverts tout le mois d'août, tous les matins du mardi au samedi et le mercredi toute la journée. Donc on compte sur vous pour vous retrouver. L'après-midi, on en profite pour préparer les animations pour l'année prochaine et puis pour recevoir nos commandes, nos nouveautés pour que vous ayez plein de nouvelles lectures à la rentrée. Donc plein de livres sur les dinosaures, des albums qui vous feront voyager au cœur de l'océan. Nous avons aussi de nouvelles bandes dessinées, dont Les Sœurs Grémillées, qui est une magnifique bande dessinée que je vous recommande. Et mon coup de cœur de cette commande, ce sont les deux magnifiques albums de Frédéric Marais, Didgeridoo et Yasuke. Didgeridoo, c'est une légende australienne qui vous fera découvrir la naissance du monde avec de magnifiques illustrations. Et le deuxième album, Yasuke, celui-ci vous emmènera en Afrique. Et ce récit est inspiré de la vie de Kurusan Yasuke, un homme et une légende né en Afrique en 1530 et disparu au Japon en 1582. Je vous dis, c'est le début de l'histoire. Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait pas de nom. De jour comme de nuit, il restait à l'écart des hommes dans l'enclos des animaux. Aucun homme de la tribu ne lui adressait la parole parce qu'aucun ne connaissait son nom. Il n'en avait pas. Personne ne lui avait jamais donné de nom. Sur son dos, il y avait bien une marque, mais ce n'était pas un vrai nom. Ce n'était qu'une marque. Les animaux avaient la même. Un soir, le garçon partit. Il imaginait que quelqu'un, quelque part, lui donnerait un nom qui ferait de lui un homme comme les autres. Et si vous voulez découvrir son histoire, n'hésitez pas à chercher sur notre catalogue Yasuke pour le réserver. Bonne journée et à bientôt !